Bonjour YouTube, une petite der. Avant le tournoi des fleurs, on se chauffe sur F0. Et en plus, chose que j'avais oublié, on est le week-end. Qui dit week-end dit Grand Prix toutes les demi-heures. Et ça régale de ouf. On a 3 tickets offerts en plus. Donc Grand Prix dans 2 minutes du coup. Ce qui nous laisse pas beaucoup de temps pour nous chauffer. J'ai hâte de perdre tous mes tickets sur cette mini VOD. On va jouer environ 3 quarts d'heure, je pense, avant de partir sur Mario Kart. On rappelle qu'on a changé de carte la dernière fois qu'on a joué. J'ai pas joué hier. J'ai pas joué depuis le dernier live. Hier, j'ai fait deux trucs. J'ai découvert un roguelite sur Steam. J'ai perdu ma vie dessus. Mauvais signe, hein, mauvais signe. Oh, la map du rond-point! Mettez-moi le rond-point! Oh non, on a pas le rond-point. Ah, dommage. Le rond-point qui aurait pu régaler. Mais qui ne sera pas là, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, en tout cas. Que ce soit sur le live ou sur la VOD. On va faire qu'une course de chauffe, je pense. On n'aura pas le temps peut-être de plus. Après, on part en Grand Prix Instant. Ligue d'âme, ça va être dur. À froid comme ça, là, ça va être compliqué. Et puis, voilà, on fait ça. Un peu de chauffe pour voir la guerre. On refait un Grand Prix. Ah oui, il y a bien le départ, là. Oh, le départ de fou. Oh, le départ de fou. Ok. Pas mal, pas mal, pas mal. On est bien, hein. On est dans le top 10, hein. Ok. Là, on a un virage chef, si je me souviens bien, qui arrive. On prend pas trop un T pour pouvoir ressortir ici facilement. Vous voyez, même en prenant un peu large. Hein. Ok, on est pas trop mal. On est dans le top 30. On a un truc qui est presque chargé. On a de l'énergie qui est full. Allez, c'est une bonne première course de chauffe. Ah, je sais plus où faut l'activer. J'ai pas regardé où faut activer cette table-là. En tout cas, ici, c'est pas intéressant de ouf. Je pense là, peut-être mieux, hein, mais même pas sûr. Hein. Là, ça coupe, je crois. Là, on a à peine top 20. On a quasiment rien gagné avec ce boost. Peut-être chercher des kills, hein. Gros intéressant. Oh. J'ai beaucoup lâché, hein. J'étais à moins de 300 en virage. Ah, je l'ai pas vu. Dommage. Il y avait des kills à récupérer, j'ai vu des voitures grises explosives. Ah, elles explosent, hein. On la garde pour la fin de la course, celle-là. En vrai, j'ai le boost après chargé. Pas que je traîne trop non plus. Normalement, on devrait couper là-bas. Hmm. Ta 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 ta. Ah. C'est vrai que c'est pas un Grand Prix, on s'en fout un peu des KO. Je pensais que j'étais en Grand Prix déjà. On va de 5ème, c'est pas ouf. La fin était nulle parce qu'on est bien monté 15ème. On s'est un peu loupé dans la ligne droite. Mais c'est la course de chauffe, hein. Ce qui compte, c'est la course qui arrive, mesdames et messieurs. Puisque nous arrivons dans le Grand Prix déjà. Eh, une VOD avec deux Grands Prix. Je pense que vous allez vous régaler, YouTube. Hein. S'il y a une VOD à voir, c'est celle-là. Hein. C'est celle-là. Salut, Sulink, comment tu vas? Allez, let's go. La Beats de l'espoir et la Beats qui donne de la force, mesdames et messieurs, pour cette ligue d'âme. Et ben on va bien, écoute, on joue au meilleur F0 sorti ces 10 dernières années. Et ça fait plaisir. On est parti en Grand Prix, beaucoup de Grand Prix à venir, on est le week-end. On fera le Grand Prix du coup de 13h30 et de 14h, après on partira sur Mario Kart 8 Deluxe, je rappelle, pour le tournoi des fleurs. J'ai pas joué à Mario Kart depuis 3 semaines. Ouais, il y a les nouvelles courses qui sont arrivées, elles sont plus compliquées. C'est soit les mêmes courses en un peu plus dur, soit à part Porton 1 qui est plus simple que Porton 2. Mais sinon, elles sont un peu moins évidentes, mais bon, on s'habitue, on s'y fait. Juste j'ai l'impression que bah, le kart que je jouais avant, plus trop compatible parce que c'est tellement dur de réaccélérer. Allez, on va essayer de tout donner. On est parti les amis. Le départ est ok. Je chante pas le kart pour perdre le moins de temps possible. Ok, on est dans le top 30 au départ. C'est bien un peu de challenge, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ok, tout le monde a boost. On est top 40 à peine.
Cette coupe est plus intéressante que la première parce que les circuits justement sont moins random, j'ai envie de dire. Parce qu'il y avait le côté un peu random justement sur Mute City 1 par exemple. Bon, j'ai bien aimé ce qui s'est passé là. Ok. On est pas mal dans le top 4. Ok, ça booste à mort hein, du côté des véhicules de type accélération, bien sûr. Ok, bonjour. On est pas mal pour l'instant. Oh, cette coupe qui peut bien se dérouler, je pense. Oh, si on arrive à trouver un kill en prime, ça serait vraiment bien. Ça va être compliqué. Hein. Oh non, je l'ai offert à quelqu'un, je crois. Et là, j'ai fait de la merde. Hein. Bon, là, j'ai sacrifié ma course, je pense. On va voir. Oh, j'active mon boost. Je suis un animal. Oh là, bon. Je regrette ce que je viens de faire. Ok, on va se recharger un petit peu. Avec un peu de chance, on devrait trouver les boules d'énergie, là. Voilà. On va pouvoir l'activer maintenant. On va cut le rond-point. On passe dans le top 10. On esquive les voitures rouges. On va recommencer le Grand Prix, les amis. Trois tickets partis à la poubelle! Oh là là! Mais non! Oh, j'étais pas trop mal, hein. C'est dommage. Après, on bat un rival. Oh, j'ai grid un peu trop, mais l'explosion de la voiture rouge qui m'a mis dans le mal. Par contre, c'est chiant, on peut pas skip, là. Oh, quel dommage. Je canarde tous mes tickets dans cette DED, messieurs, dames. Bon, c'est pas grave. J'ai beaucoup de tickets, donc c'est ok. Mais ouais, complexe. En fait, l'explosion de la voiture rouge fait des dégâts, ouais. Ça te vide presque. Pas autant qu'un boost, mais presque. Ouais, non, ça fait très mal. Hein. Ça fait très très mal. Allez, c'est pas grave, on lance, parce que regardez, j'ai plein de tickets. J'en ai encore 14. Eh oui, on peut relancer, les amis. On est parti, les amis, bien sûr. Essayez de rejoindre, n'hésitez pas, bien sûr, la game, hein, si vous voulez. Normalement, le sniping est pas trop dur. C'est vrai que j'ai pas pensé à vous mettre dire le chrono où je lançais pour... Je mets le ventilateur. En vrai, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la course de chauffe. On est tranquille. Maintenant, on connaît nos erreurs, tu vois. On connaît nos erreurs. Et là, on va proposer un show. Je pense que même moi, je suis pas prêt à ce que je vais faire. Je pense vraiment que même moi, là, je ne sais pas du tout ce que je vais vous montrer. Ça va être insane. Il n'y a que des mecs qui ont plus de top 1 que moi. Ah non, un griffe, il n'a moins que moi. C'est bon. C'est gagné. Vous allez voir. C'est exceptionnel ce qui se passe. Je suis pas seul avec Prime. Il n'y a plus le 28, mais t'as plus le bouton. Normalement, si, tu peux avec Prime, parce qu'un pote l'a fait hier. Donc, il n'y a pas de raison. Bah, hier, je sais plus quel jour, pas hier, mais récemment. Mais t'as pas le logo Prime sur ton pseudo? Peut-être que le lien est plus activé? Je sais pas comment ça fonctionne, les primes. Alors tu l'as activé sur un autre stream, peut-être, qui est pas encore fini. Ok. On est 7ème et j'ai la voix céleste. C'est incroyable ça. Il est dispo mais t'as plus le bouton pour l'utiliser. Ah. C'est bizarre. Je pense que je l'ai fait trop tôt ça, j'aurais dû le faire après. Bon, est-ce qu'il peut rond-point? Oui, ok. Dégage.
J'ai perdu du temps là. Allez, c'est pas grave. On va prendre des petites boules. L'objectif, c'est d'avoir le truc chargé pour le dernier tour. Porte-toi. Oh, je l'ai pas eu! Je suis dégoûté. Hein. Je suis vraiment dégoûté. Encore lié? Bizarre. Bizarre. Je sais pas du tout. Peut-être recharger la page ou Après, est-ce qu'on est surpris que Twitch marche mal? On veut dire non. Oh, y'a un mec qui est mort devant? Je l'aurais pas. Et ça, ça fout les haines. Alors, toi? Oh oui, j'ai eu. Super. Ça, ça fait du bien. Est-ce qu'on peut récupérer de l'énergie, là? On n'est pas loin d'avoir la réserve, mais je l'aurais pas pour le rond-point, malheureusement, je pense. Ah, peut-être. Oh oui. Alors, peut-être. Messieurs, dames, on cut ici. On rentre dans le top 10. J'ai loupé le... Exceptionnel. Contactez le SAV peut-être. Je sais pas du tout comment ça marche. Sixième, mesdames et messieurs. Très très bon départ. Et j'ai failli faire un kill à la fin. Il était endommagé le mec. Il lui restait assez de PV pour survivre. Meilleur Will Goose. Deuxième des rangs S. Exceptionnel. Exceptionnel, on est là. Ça représente fort fort fort. Peut-être que Twitch a désactivé les primes sur ma chaîne, je pense pas. Parce que je crois que mes 2-3 subs sur la chaîne, c'est que des primes. Je crois que j'ai que ça. Attends, je regarde. Ouais, j'ai que des primes. J'ai 3 subs, c'est des primes. Merci d'ailleurs aux 3 qui l'ont fait. On vous adore. C'est partout. Ah, je vois à nouveau ton logo de prime apparu. T'as enlevé le badge. Ok. Bizarre. Essaie de vider le cache, je sais pas. De prendre un autre navigateur. D'aller sur téléphone. Je sais pas trop. Oui, je sais que le badge, tu peux le changer. Faudrait voir... Ah, c'est chelou. Amazon qui ne veut pas perdre d'argent. On rappelle les primes, vive les primes, puisque c'est perdre de l'argent à Amazon. Hein. N'hésitez pas. Même sur YouTube, d'ailleurs, si vous avez un compte Amazon Prime, venez sur Twitch. Vous pouvez vous abonner gratuitement à une chaîne, soutenir un créateur. Moi, par exemple. Et derrière, ça... Ça fait perdre de l'argent à Amazon. Comme on les aime pas, même si on travaille pour eux, vu que bah on est quand même des pauvres petits français avec peu de moyens. Et bah du coup on fait voilà. Allez c'est bien, on est à 400 ici, on va pouvoir boost. On est pas trop mal niveau des petites boules. On doit là pour la fin du tour 2 je pense. Peut-être qu'on l'aura avant même les aimants. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que j'aime pas du tout ça les aimants. Surtout ici qu'on peut l'avoir, parce qu'ici il y a un cut. Hop là. Et normalement on va arriver à la fin comme ça. Et ça c'est très très lourd, on est deuxième. Merci le premier qui a me retiré en plus l'explosif avant que j'arrive. Oh toi on te déteste. On a perdu un peu de speed. Let's go. J'ai eu le KO. Bon, je sais pas si j'aurai une réserve à la fin du tour, je pense pas. Il va falloir qu'on travaille. Il va falloir qu'on travaille malheureusement. Ah, je l'ai pas eu, dommage. Je voulais chercher le KO à tout prix. Mais c'est pas mal, life hack, si un de vos proches a un compte Amazon Prime, il y a votre compte Twitch et votre compte Prime. Perso, je suis de mes parents, let's go. Vous savez que ma chérie, elle a un compte Prime et elle sub pas ici. Elle sub chez Shisheyu. Je suis choqué. Chrome Edge, Decoroco, je peux pas sub sur mobile. Je peux pas sub sur mobile en ce moment, mais ça marche bien Twitch. Merci Twitch. Ça, c'est la fin de September, parce que September est fini normalement. Donc le fait que t'as encore September, c'est bizarre d'ailleurs. Tu vois, si vous avez encore September, profitez-en. Hein. Donné, hein. C'est gratuit. Oh, on est quatrième au général. Ah, c'est cette nuit. J'avais lu que c'était derrière le dernier jour, mais... En vrai, vu que j'ai eu aucun sub pendant September à part des primes, j'avoue que j'ai pas regardé. J'ai demandé à personne, de toute façon, j'ai pas fait de mendicité à September. J'avoue que... À l'époque où j'avais que ça, je le faisais un peu plus, parce que je disais, ah, c'est bien, ça tient. Maintenant, je dis juste ruiner Amazon et faites des primes.
Après, si vous voulez sub, n'hésitez pas aussi. Vous avez des emojis exceptionnels, un grade rose sur Discord. Ça apporte beaucoup de choses dans votre vie. Hein. Let's go. Pour le deuxième au départ. On est très lourd là. On est très très lourd. Red Canyon, je suis pas à l'aise. Voilà. Comme je vous disais. Ouais, le départ était lourd. Hein. Le départ était très très lourd. Maintenant, faut juste. On me pousse vers. Merci. Dommage. En fait, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à récupérer des petites boules maintenant que je suis 40ème. Avec un peu de chance, on récupère la route du destin au début du jour 4. Non, c'est mieux. On est pas mal, hein. En vrai, on va l'avoir. On va l'avoir au jour 4. Alors, par contre, ça, c'est le premier temps. Ok. Ok, on active, on s'échappe vite de ce... Ouh, j'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. Ok. À la frame près, ouais, c'était limite. On fait 21ème, c'est pas fou, mais bon. C'était un... Oh, je marque quand même un rival, mais... Il y avait un bec qui était bien, c'est comme ça. Ça va faire mal au classement. Ouais, ça va faire très mal au classement. Regardez le niveau des gens, 84. Moi, je suis 35. Bon, on perd au classement un petit peu de place, mais pas beaucoup. On est quand même 5ème. Alors, être 3ème est quasiment impossible. On est déjà à plus de 40 points du 3ème. Mettre 40 points, ça veut dire avoir 20 points d'avance sur le mec. Sachant qu'on est plus que 40 en course. À part s'il y a une élimination... Je sens que c'est 5 éliminés par tour. Je sais pas trop. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai fait un bon départ, je suis content. Bon, là, je pars derrière, ça va être plus compliqué. Mais... Moins bien. Moins bien. Oh oui. Oh les, la barre de vie que je viens de détruire. Oh oulala, oulala, oulala. Bon, ce qu'il faut, c'est survivre ce tour. Ça va être dur hein, parce que forcément les gens vont push derrière. J'aurais pas de super boost. Oh putain. Je suis obligé de boost. Parce que je suis dans le fond. Oh, j'ai fait un mauvais départ. Bon, ça va être compliqué. Obligé de boost, hein, c'est vraiment de la défense. Là je vais avoir l'ulti, et l'ulti va me mettre bien normalement. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh merde, j'ai loupé le cut. Oh j'ai loupé le cut mesdames et messieurs. Oh ça pue, ça pue, ça pue, ça pue. Oh ça se meurt force. Allez-vous-en, 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 allez-vous-en. Let's go. On est en course, on est en course, on est en course. On survit. On survit. Oh, et ce virage? Ça pue, hein. Obligé de grid, hein. Ah, je l'ai pas eu.
Dommage. C'était dur. Ah oh non. Ah oh, dommage, j'avais un rival qui était éliminé aussi. Aïe 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 aïe. Ouais, j'ai fait un mauvais départ. J'ai fait un mauvais. Sacré si. J'ai fait un mauvais départ. Bon, c'est pas grave. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. 23ème sur cette coupe. Mais il y a une nouvelle coupe à 14h. On met mon micro. Et please. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est pas mal, mais c'est décevant. On a envie de finir. Mais c'est trop dur. Hein. C'est vraiment dur d'arriver à la dernière course. Hein. Si vous avez pas joué, vraiment, essayez. Vous allez voir. Et t'as fini le micro de grésiller ? Alors, j'ai un bug sur la GoXilaire. Enfin, je sais pas si c'est la GoXilaire, mais en gros, quand je joue à la Switch et que j'ai Laver Media qui affiche son image sur le PC, ça grésille. Et je peux rien faire. Alors, pour le moment, je resetais le PC pour remettre en marchant, mais. Mais non, mais c'est catastrophique là. Bah, ça grésille à mort le son là, non? Et ça va de pire en pire. Hein. Je sais pas si ça vient de mon proc ou si ça vient de quoi que ce soit, mais. C'est relou un peu. J'espère que ça vous bouffe pas trop la qualité du son. Mais moi, ça m'insupporte dans les oreilles. Ouais, c'est ça, c'est chiant. Mais ça l'a toujours fait en fait. Si tu veux, dès que Laver Media affiche l'image sur mon PC, le son du micro grésille. Et du coup, c'est trop relou. Donc j'aimerais bien savoir si le problème vient. Est-ce que ça vient de la carte de capture qui fait ça? Est-ce que ça vient de la GoXLR? Est-ce que ça vient du micro? Sachant que si je coupe OBS là, typiquement, en continuant de jouer à la Switch, j'aurai zéro problème. Si je coupe la Switch, j'aurai zéro problème. Donc je sais pas trop. Ouais. J'aime pas Deathwing 2. Mais en fait, j'aimerais tester notre carte graphique de capture. Mais bon, j'ai pas l'intérêt de la changer vu qu'elle marche bien encore, donc... Après, j'ai tellement de câbles qui se bouffent entre eux que ça peut jouer aussi, mais... Ça l'a toujours fait, en fait. Je sais que si je reset le PC... Enfin, si je reset... Quand ça buguait, je me faisais restaurer le PC, ça débuguait, mais là... Il bug violent. Peut-être mon proc aussi, hein. Allez, let's go. C'est pas très grave, on espère juste que ça va tenir le son parce que c'est un peu relou. Dans cette map de mort, vous avez du vent. Et autant la 1, c'est un ovale. Autant là, c'est pas un ovale. Ah, mais c'est grésille fortement quand même. Et je peux pas faire grand chose, donc c'est un peu chiant. C'est virage de mort, hein, c'est virage de mort. Oh mais merde, j'ai boost. Je voulais pas boost. Allez, le boost est là, on le récupère. Avec le vent, on décale, hein, c'est un peu chiant. En fait, je sais pas d'où vient le problème exactement, mais... Je sais que ça le faisait pas avant la GoXLR, donc peut-être c'est une incompatibilité entre la GoXLR et mon matos. Faudrait que j'ai une autre carte de capture pour tester, en fait. Mais bon... J'ai pas les thunes pour ça. Enfin, c'est pas question de pas avoir les thunes, c'est question que j'ai pas les thunes à dépenser dans ça. Précisément. On la garde pour la zone des virages. Le problème, c'est que ça veut dire que je vois rien en tour 4. Ça va être la merde. Oh, je vais mettre maintenant parce que. Oh, ça me saoule, ça grésille à mort. Ah. Ah. Ok. C'est vraiment quand tu veux. Oh mais vas-y, ça détruit les oreilles. Je vais désactiver le retour de micro dans mes oreilles. Pour me faire ça. Bon, j'aurais pas assez de boules d'énergie. Hein. C'est la fin de la course, on peut push. Ok. J'ai contacté l'assistance du coup carrément. Bon, mon micro qui bug, je ne sais pas ce qui se passe exactement.
Je sais pas de quoi ça vient exactement parce que... Bon, ça bug à voir. On va faire avec. Parce que, en gros, l'autre jour, j'essayais d'éditer une vidéo en même temps sur mon PC et ça grésillait encore plus. Donc je me demande si c'est pas un problème de proc. Et du coup, est-ce que le proc que j'ai pris est pas assez puissant? Ça m'étonnerait quand même. J'ai pris un proc quand même... Le problème, c'est que ça le fait que quand je joue à la Switch. Donc compliqué de savoir, quoi. Enfin, quand je joue à la console. Parce que regardez, là, je grésille, vous voyez. Mais imaginez, je fais ça, tu vois. Là, maintenant, j'ai plus aucun grésillement. Ça va être nickel, le son. Vous voyez, là, j'ai plus le son. Nickel. Clac, croc. Rien à dire. Plus un grésillement, tu vois. C'est vraiment à ne rien comprendre. Et si je mets à faire ça, et que je vais réactiver, ça va à nouveau grésiller de temps en temps. Du coup, je bite rien. Vraiment, je comprends pas. J'ai juste coupé l'image. À partir du moment où Laser Media n'affiche pas d'image, ça grésille pas. Donc le seul problème vient de Laser Media, je sais pas parce que je l'avais pas ce problème avant. C'est depuis que j'ai la GoXLR que ça me fait ça. Est-ce que j'ai besoin de l'image du jeu? Ah quand même. Ce serait dommage sinon. On peut faire un stream sans image, hein. Un nouveau concept du gaming, mais il n'y a pas l'image. Il fait fureur sur Twitch grâce à son nouveau concept. Il joue aux jeux vidéo, mais il ne montre pas l'image du jeu. Non, je joue pas sur PC. Non, je joue pas sur PC. Il faut bien que je renvoie l'image sur PC. Pour récupérer. Non, quand je le coupe sur OBS, l'image je le coupe pas sur mon écran. Hein. Non, tu voyais pas. J'ai coupé l'image sur OBS, donc tu l'avais plus. T'as dû louper le moment où je l'ai coupé, je l'ai pas coupé longtemps. C'est la source OBS que j'avais coupé. Donc Allez, let's go, on va avancer. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec, mais... J'aimerais tester une autre carte de capture, voir si ça fait pareil, en fait. Mais vu que ça le fait seulement quand j'active AverMedia sur OBS, je pense que ça vient de là. Mais est-ce que ça... Le truc, c'est que... À l'époque où ça le faisait, je restaurais le PC, ça réparait le problème. Donc je pense qu'il y a un problème software. Mais T'es mal à flemme, quoi. Oh merde, je pense pas. Je voulais pas l'activer maintenant. Ça grésille fort, c'est mon micro, ma bataille. Fallait pas qu'il s'en aille. Waouh, waouh, waouh. Ok, on fait bonne place. Cinquième, les amis. Let's go. Mais bon, le problème, c'est que ça grésille de pire en pire, donc je sais pas trop. Ça me saoule un peu. Je peux essayer de brancher la Dormedia sur un autre port. Mais ça veut dire débrancher un truc. Je l'ai branché sur un autre port USB. On va voir. Si ça résout les problèmes ou pas, mais je pense que ça change rien. J'ai l'impression que ça ne change pas grand chose. Non, ça change que dalle. D'ailleurs, j'ai débranché mon clavier. Donc, Et bisous mon Shulink. Bon, je pense que le problème, je pourrais rien y faire. Donc on verra.
je pense que... Écoutez, si vous voulez soutenir la chaîne et d'avoir un meilleur son, n'hésitez pas, bien entendu. Pourquoi je grésille plus, je ne sais pas, là. Vous voyez, c'est... là, ça marche à nouveau. On ne sait pas. Si vous voulez nous aider, bien sûr, n'hésitez pas à donner des bits, des subs. Avec cet argent, on achètera une carte de capture. Voilà. Si vous voulez qu'on achète une meilleure carte de capture, en meilleure qualité... Mais pourquoi je grésille plus, là? Je l'ai débranché de la carte de capture, je l'ai mis sur une autre port USB derrière, directement lié à la carte mère et pas à la tour. Ça fait le même grésillement. Je rebranche à l'USB où il était avant, qui est lié à la tour du coup et pas à la carte mère. Ça grésille plus. J'ai pété un plomb. Oui, sûrement. Mais tant mieux. S'il faut que je débranche, rebranche, moi je peux faire. Moi je suis un grand streamer de débranchement, débranchage. Ah non, c'est bon, ça grésille. Rien, j'ai... On a le prochain circuit du SSC, tiens, ça sera Brésil. Très bien. Très bien, très bien. Bon allez, encore une course, puis un grand prix. Et après on partira sur Mario Kart, les amis. C'est quoi Deathwind 2? On a marre de Deathwind 2. Mon son est meilleur en grésillant encore un peu, va comprendre, j'en ai le cul. Eh c'est bon, on va plus réfléchir. C'est le moment. Allez, dernière course de chauffe. Et après on part pour un dernier grand prix, les amis. Il va être sur les chapeaux de roue, bien sûr. Alors, on va essayer de se mettre un petit peu devant, récupérer les petites boules. On est bien niveau boules chargées d'ailleurs. Donc c'est un peu aléatoire les grésillements, parce que là j'en ai plus, ouais, donc on est juste fatigué, quoi. On va voir les boules qui vont être prêtes, c'est dommage, c'est un peu tôt. J'aurais aimé faire un boost avant. Du coup, je vais l'activer maintenant, je pense. Même si c'est le placement, il est pourri, tu vois. Le but serait de récupérer une voie pour la fin de la course. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas trop de monde devant. Donc, c'est plus facile de prendre des trages. On se recharge un peu en plus, hein, donc on n'est pas trop mal. On est au tour 3. Ah dommage. On va activer un boost du coup pour... Ouais, super. Magnifique. Oh oui. Oh, magnifique phase là. Oh, j'espère que vous avez kiffé. Hein. On va pas l'activer maintenant. Dommage. Ah dommage, il a explosé. Allez, on l'active maintenant. Là, on devrait pas être trop mal. Pour remonter tranquillement sur le classement. Ok, on vient dans ce virage. Je rends là. Bon, 22ème, ça va, ça passe. Et pourquoi tu grésilles plus maintenant le micro? Bah, c'est cool hein, mais pourquoi? J'aimerais comprendre comment tu fonctionnes. Explique-moi. Moi j'ai pas peur, on va se battre ma bataille. Pour le... Allez, ce coup-ci on gaspille pas de... Eh, j'ai encore tellement de tickets, what the fuck. La Ligue Dame à nouveau. Oh, une troisième coupe. Est-ce que ce coup-ci... On peut en faire mieux, atteindre la dernière course. Ce sera la coupe de fin de ZOD, après on partira sur Mario Kart, les amis. Je viens de me rappeler un peu des boutons de Mario Kart, quoi. On est parti, let's go, les amis. Les mecs ont plus de top 1 que moi. Je crois que j'ai autant de top 1 que Koskelo. On va avoir 3, je crois. Let's go, c'est parti. Par contre que le Golden Fox a foiré son départ, il était quand même devant moi. Là, dire que c'est honteux. Je dois.
On est dans le top 20 quand même. J'ai obligé de rebooster, j'ai pris le mur, j'ai pas eu trop de speed. Pff, j'ai des lags là. Là je m'y connais en lag. Hein. Et par contre ça lag comme ça sur Mario Kart, ça va être dur. Hein. Ok, on est en tête. Étonnant. Bon, ouais, c'est échappé. Hein. Par contre j'ai pas de quoi. On a une bonne avance mais... Bonjour les gens. Ouais non mais je peux pas lutter contre les voix célestes du rond-point. Hein. En fait c'est vraiment de la merde d'être premier cette course parce que... Ok t'es devant, mais bon. Après le bon point c'est que je recharge de l'énergie. Là on est pas trop mal. Certes on est 23ème mais regardez la... l'énergie comment elle se... Ouh, on a eu de la chatte. Je voulais cut avant la voix céleste. Dommage, j'ai loupé le gris qui est explosé. Allez, let's go. Je pense que l'emplacement était pas mal. On va cut ici. On a fait en même temps le spin tous les deux, on est au point de la mort. Sixième, let's go! Eh, on est bien. À nouveau une bonne place en Mute City 2. Est-ce que ça peut nous permettre enfin d'aller chercher une grosse position? Peut-être. On a battu tous nos rivaux. On finit loin, loin, loin. Par contre, là, on va avoir des mecs... Des mecs qui ont dosé. Hein. Des mecs qui ont dosé, qui arrivent face à nous. Les instabilités de combo font un peu peur pour ma carte. On verra comment ça se passe. Après, le truc, c'est que ma 4G box est collée à ma Switch. J'ai débranché le câble parce qu'en câblé ça buguait et en Wi-Fi ça bug aussi apparemment. Donc, on sait pas trop d'où ça vient. Est-ce qu'ils se font des interférences entre deux? Peut-être. Allez, let's go. On a fait une 6ème place. Peut-on continuer la bonne forme sur Part Town? On va voir. On commence à comprendre la métallisation. Par exemple, pour le Bully, le dernier qui passe à une arrivée au départ sur les mini-instants. Genre, fallait pas louper ton départ. Enfin, ce serait horrible. Mais ce serait marrant. Ta-ta-ta-ta-ta. On aura le cut. Peut-être qu'il se trouve juste ici. On reste bien à droite pour prendre le boost. On est au tour 3. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une dernière voix céleste pour la fin de la course? C'est vraiment bien. Trouver un petit kill en même temps. Ça sera vraiment clean. Là on va perdre quelques places avec les voix célestes. Le meilleur timing, une voix céleste sur 2, une voix céleste sur 4, c'est vraiment le mieux à faire. Quoi. Ça marche seulement si t'es le plus dans le peloton, mais. Oula, dommage. Bon, ok, on va booster un petit peu. Et la voix céleste qui charge au final. Donc il y a moyen qu'on la prenne pour le cut. Ok, je prends. J'ai gaspillé de l'énergie, je crois, parce que je l'ai fait un peu tôt. Combien 4? Let's go, 6 et 4! On est très très bien sur ce Grand Prix! Ah! Oh, le S2 qui nous bat!
On est très très lourd là, c'est ce qui se passe. Et les premiers. Incroyable. Est-ce qu'il était déjà bon au classement? Ça va être dur à le battre, hein. Oh, le mec était premier, il a fait un gros fail. Oh, coup dur. On est deuxième au général, mesdames et messieurs. Incroyable. Incroyable ce qui se passe. Est-ce que c'est le tournoi d'une vie? Peut-être. Peut-être même qu'on n'a rien à foutre là, les amis. Hein. On sait pas, on sait pas. Let's go. On va essayer de décroiser les jumps à chaque fois. Dommage, on part de dernière ligne, mais c'est ok. En fait, c'est tellement mieux d'avoir le boost. Ok. Allez, Red Canyon. C'est notre meilleure map. Ici, on booste pour récupérer la vitesse qu'on a perdue. Ok, on est pas... Oh, on est pas mal. On a utilisé un peu de boost, mais il est ok. C'est que c'est au tour 3 quoi. Obligé mais... On va remonter un petit peu. Dernier tour qui va pas être terrible, hein, je pense. On va pas faire aussi bien. C'est sûr qu'on fera pas top 5. Excepté miracle. Oh, c'est peut-être un peu tôt ça. C'est raison que tu es pire. Oh, c'était agressif ça, mais bon. On a su être 25ème. Oh putain, j'espère faire moins top 20. Ah merde! On est presque S. Oh là tu fais... Oh le mec il faisait full premier, elle a fait loin aussi. Ça va resserrer le classement, hein. Ça va resserrer le classement. On passe combien? On passe 6ème, mais on a 30 points du premier qui est Shibu. Allez! Il faut qu'on passe Whiteland ce coup-ci. On a eu des difficultés tout à l'heure, faut pas qu'on loupe le cut je pense, et ça peut passer normalement. Et là on a loupé le jump, on s'est pris le mur un peu trop tôt, malheureusement. Ok c'est pas mal, même si on a pris des dégâts, c'est ok. Pas besoin de booster, on est dans le top 10. Le boost c'est pour sortir du fond qu'il faut l'utiliser, hein. C'est pas pour... On est dans le top 10, c'est ok. Un petit boost là quand même. Ok. C'est ok, c'est ok. Alors je sais pas si on aura de voix céleste cette course vu qu'on est devant. Après il y en a moins forcément, il y en a moins de joueurs. Hein. On devrait être pas mal en vrai. Hein. Enfin, on va falloir accélérer, je pense. Que... Ça commence à être short. Ah, j'ai pas eu. Dommage. Il va falloir espérer qu'on trouve quand même de la voie céleste parfaite. Faut pas louper le cut.
Nice. Cut réussi. Ah, regardez la position, comment elle augmente, les amis. Regardez comment ça augmente. On va passer deuxième. On va passer deuxième. Allez, il y a moyen de faire une bonne truc là. Oh non. C'est un risque ça. J'avais deuxième si j'avais pas grid, juste. J'ai voulu faire l'enfant et grid. Oh YouTube! C'était destructif. Mais je pense que c'était une bonne petite der. Mais on y rejouera de toute façon parce qu'on est des enfants. Dommage, j'avais moyen de faire une bonne perf. Ça suffira pas. Mais on se retrouve pour d'autres VOD par la suite. Nous on part sur Mario Kart pour le tournoi des fleurs, mon cher YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous rejoindre bien entendu. Je sais que vous êtes près de 80% à ne pas avoir suivi la chaîne, donc suivez-la. Suivez-la, je ne peux pas me le cacher. Et nous on se retrouve pour plus d'aventures sur Twitch, si tu peux, et sur YouTube pour d'autres VOD. Des bisous mon cher YouTube et bien sûr à la prochaine. Ciao.